C'est en 1834 que la maison Jaboulet s'installe dans la vallée du Rhône, au pied de la colline de l'Ermitage. À cette époque, elle cultive ses premières parcelles d'Ermitage, de Croz-Ermitage, qui sont les deux appellations historiques de la maison. Paul Jaboulet avait bien compris le potentiel fabuleux des différents terroirs de la région, et toutes les générations qui l'ont suivi ont travaillé dans ce sens, ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents sur des appellations prestigieuses comme Côte-Rôtie, Condrieu ou encore Cornasse. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir cultiver la vigne sur ces grands terroirs, et notamment la Syrah, le grand cépage de nos vins rouges. C'est cette passion qui nous anime encore aujourd'hui, et c'est cette passion que nous voulons transmettre au travers de nos grands vins à nos clients dans le monde entier. Nous sommes ici dans la cave qui abrite tous les secrets de la maison Paul Jaboulet aîné, tous les grands vins qui ont fait l'histoire de notre maison. On trouve par exemple ici le Croz-Ermitage, domaine de Talabert, millésime 78, année référence, ou le Côte-Rôtie Les Jumelles, millésime 85. Et puis l'Ermitage La Chapelle, l'icône de la maison, dont nous avons ici quelques magnums du millésime 59, et quelques flacons, 1961, millésime mythique de la Chapelle Ermitage, reconnu comme l'un des plus grands vins au monde. Les vins de Paul Jaboulet sont une véritable porte ouverte sur la vallée du Rhône septentrionale et méridionale. Symbole d'un savoir-faire ancestral de vignerons, les grands vins de domaine, fleurons de la maison, prennent corps sur des terroirs d'exception au cœur d'appellations prestigieuses. Au nord, près de la commune d'Ampuy, sur l'un des plus anciens vignobles de France, les pieds de Syrah de la Côte-Rôtie Les Jumelles sont fermement ancrés sur de petites terrasses granitiques très escarpées. Ces vignes, plantées pour la plupart il y a une quarantaine d'années, produisent un vin fin et délicat, aux notes de violette et de cassis, mêlées de touches florales. Un peu plus au sud, la maison Paul Jaboulet produit l'un des vins blancs les plus rares et les plus recherchés, les cassines. Un Condrieu aux reflets verts, aux arômes de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits exotiques. Le Viognier, unique cépage de l'appellation, a eu domicile sur des pentes abruptes, cultivées en terrasse. C'est lui qui donne toute sa fraîcheur et sa rondeur à ce vin si particulier. En restant sur la rive droite du Rhône, après avoir traversé les vignobles de Saint-Joseph, nous arrivons sur l'appellation de Cornasse. Tout en haut du plateau, près d'une petite chapelle, le domaine de Saint-Pierre domine la vallée, 400 mètres au-dessus du fleuve. Orienté plein sud, les pieds de Syrah, dont certains ont près de 60 ans, s'alignent entre les blocs de granit. Vin de garde par excellence, puissant et élégant, le domaine de Saint-Pierre distille des notes d'épices, de réglisse et de fruits rouges. Bien plus au sud, entre Avignon et Orange, se dresse un village mythique dont le nom résonne dans le monde entier. Châteauneuf-du-Pape domine la plaine du Comtat et ses vignes ancestrales. Les pentes douces, jalonnées de galets et baignées de soleil, offrent un terroir idéal au Grenache, à la Syrah et au Mourvèdre, les trois cépages traditionnels de la région. La maison Paul Jaboulet y produit un vin équilibré, aux arômes complexes et intenses de fruits rouges mêlés d'épices douces, le domaine de terre ferme. Sur l'autre rive du fleuve, le domaine de Talabert est la propriété de la maison Jaboulet depuis 1834. C'est un vignoble de plaine, le plus vieux de l'appellation Croz-Ermitage et certainement l'un des plus prestigieux. Le Talabert rouge est un vin à la fois puissant et tout en finesse, qui se révèle intense et complexe avec les années, délivrant des arômes de fruits noirs avec des notes de pain grillé. La mule blanche, le vin blanc du domaine, est issu d'un assemblage de Marsanne et de Roussanne. D'une belle couleur jaune, c'est un vin tout en rondeur, aux arômes de fruits à chair blanche, de poire, avec des notes d'acacia. Toujours en Croz-Ermitage, la maison Paul Jaboulet produit depuis 1995 un autre grand vin, le domaine de Roure. Contrairement à son voisin de Talabert, les vignes sont cultivées sur un coteau granitique dominant la vallée, dans le prolongement de la colline de l'Ermitage. Ici, le granit apporte au vin une belle minéralité et une grande densité. Les pieds de Syrah, accrochés à des pentes vertigineuses, donnent naissance à un vin rouge dense et minéral, aux arômes subtils et délicats de petits fruits rouges mêlés d'épices.
Ceux de Marsanne, parfois centenaires, produisent un blanc alliant puissance, complexité et équilibre. En se rapprochant de Tain-l'Hermitage, on se rapproche du mythe. De cette petite chapelle, devenue au fil des ans, l'un des plus grands monuments pour les amoureux du vin. Donc nous sommes ici sur la colline de l'Hermitage, qui est l'un des plus beaux terroirs au monde. C'est un endroit tout à fait exceptionnel et unique pour la culture de la vigne. Il a été façonné pendant des siècles par la dérive des glaciers et par le cours du Rhône. On y retrouve donc une variété de sols tout à fait fantastique, avec sur la partie ouest de la colline que l'on appelle les Bessards, un affleurement du socle granitique. Puis lorsque l'on revient sur le centre de cette colline, au niveau du Méal, on retrouve ces moraines glaciaires qui sont ces gros galets amenés par le Rhône, ces galets qui permettent de réfléchir la lumière et de conserver la chaleur. Ils créent donc un microclimat tout à fait propice à la maturation de la Syrah. Les Bessards, les Roucoules, le Méal, des noms magiques qui résonnent comme des promesses de grands millésimes à venir. Exposée plein sud, fait unique dans la vallée du Rhône, la colline de l'Hermitage bénéficie d'un ensoleillement maximum tout au long de l'année. Gorgée de soleil, les grappes de Syrah sont couvées par les équipes de Paul Jaboulet jusqu'à leur parfaite maturation. C'est de ces terroirs exceptionnels et de cette attention de chaque instant que naît l'icône de la maison. La Chapelle Hermitage, l'un des plus grands vins au monde. Un vin au nez racé, d'une grande complexité, qui déborde de parfums gourmands, de fruits noirs, de sous-bois et d'épices douces, qui évolue vers des notes de truffes noires. Une seconde cuvée d'Hermitage, la Petite Chapelle, que l'on déguste sur la jeunesse, est produite chaque année. Des pieds de Marsanne et de Roussanne ont également été plantés sur la colline par les vignerons de la maison il y a près d'un siècle. En assemblant ces cépages, les équipes de Jaboulet produisent un superbe hermitage blanc, le Chevalier de Sterimberg. Un vin savoureux, charnu, aux arômes de pêche et d'abricot. Enfin, renouant avec le passé, la maison Paul Jaboulet a décidé de reproduire le fameux La Chapelle blanc. La Marsanne, cépage unique et le terroir exceptionnel du plateau des Roucoules donnent à ce grand vin de garde toute sa minéralité et sa complexité aromatique. Septembre se termine et déjà les équipes de vendangeurs s'activent entre les pieds de vigne. Sur les coteaux, le travail est périlleux. Les pentes vertigineuses, caillouteuses à souhait, ne se livrent pas facilement. Aujourd'hui, le soleil brille, demain la pluie peut revenir et la vigne n'attend pas. Nous récoltons cette parcelle aujourd'hui pour deux raisons principales. La première, analytique, les raisins ont atteint une concentration suffisante et l'équilibre acide est tout à fait satisfaisant. Et puis la deuxième, sans doute la plus importante, le goût du raisin est arrivé à un bel équilibre, les tanins sont puissants et soyeux et la couleur s'extrait des pellicules. Demain, les conditions peuvent changer, donc il faut absolument les récolter sans plus tarder. Chez Jaboulet, nous tenons absolument à récolter la totalité de notre vignoble à la main. C'est une étape très importante qui permet d'achever le travail engagé tout au long de l'année sur la vigne. C'est un respect de nos raisins. Nous ne les écrasons pas, nous préférons les sortir vraiment dans un écrin, dans une petite caisse, pour arriver à la cave. Il faut savoir que cette étape est extrêmement importante aussi pour la qualité du vin. Le vendangeur opère la première tri, la tri qui va permettre de sélectionner les grappes les plus mûres, les plus jolies, de sélectionner au sein de chaque grappe les baies qui sont les plus jolies. Nous amenons ainsi à la cave des raisins mûrs et concentrés qui nous permettront de faire les meilleurs vins possibles. Au cœur du Grand Vinéum, sous les falaises calcaires d'anciennes carrières romaines, la magie continue d'opérer. Dans des conditions d'humidité et de température idéales,
les vins de la maison Jaboulet reposent sereinement dans des barriques de chêne provenant des plus fameuses tonnelleries françaises. L'ermitage La Chapelle est ici l'objet de toutes les attentions. Issu d'un cépage unique, la Syrah, il est pourtant élaboré par assemblage. Les vins du Méal, des Bessards ou ceux des autres parcelles de la colline, le choix varie selon les années, mais l'objectif est le même, atteindre l'excellence et perpétuer le mythe. Donc, Ermitage, La Chapelle, millésime 2007, les coteaux du Méal. On commence à avoir un très joli boisé. Oui, effectivement, avec un très joli nez de petits fruits rouges, délicatement épicés. Superbe. On en est où dans l'élevage ? Alors, nous sommes 3 semaines après le second sous-tirage. Je trouve qu'on sent bien l'assimilation des différents bois des tonneliers. Joli fondu des tanins. On retrouve vraiment toute la typicité du Méal sur ce millésime. Le côté riche, velouté. Avec une petite touche de Bessard, on aura toute la complexité nécessaire pour la réalisation de l'assemblage. Les vendanges se terminent et le soleil d'octobre caresse les murs de la petite chapelle de Saint-Christophe. Au sommet de la colline, il fait bon se retrouver pour apprécier, l'espace d'un instant, le fruit du travail accompli. Déguster une chapelle, un moment rare, précieux, à délecter religieusement. Une invitation au voyage sur les pentes de la colline de l'Ermitage.